Enfin bref. Bonsoir à tous, je voulais vous parler de... Bonsoir à tous, je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc le plus simple c'est déjà de vous montrer, quand on filme en brut, et la partie brute, ben, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors tout d'abord, le logiciel que j'utilise pour fabriquer mes vidéos s'appelle Windows Live Movie Maker. Donc on va le chercher. Alors je tape Windows Live Movie Maker. Et vous voyez qu'on peut télécharger gratuitement. Voilà. Donc à télécharger sur un des différents sites. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on va sélectionner le film que je vais prendre, hein, qui est là, et on va faire un clic droit et on va faire ouvrir avec Windows Live Movie Maker. Donc à ce moment là le logiciel s'ouvre et le film apparaît. Maintenant il va falloir attendre un petit peu que le film arrive entièrement dessus. Donc là vous voyez en dessous il y a une barre qui va vous indiquer quand est-ce que le film sera prêt. Et à ce moment, une fois que ça sera prêt, on pourra commencer à le travailler. C'est-à-dire couper les choses dont on n'a pas besoin, rajouter de la musique, l'introduction, etc. Voilà, pour rendre une vidéo regardable. Donc vous voyez que la barre va assez vite, hein, parce que j'ai pris une vidéo relativement courte. Hein, c'était juste un exemple pour vous montrer. Donc une fois que la vidéo sera complète, on pourra la regarder. En principe, ça fait un petit bruit quand c'est complet. Ah, ça peut se faire un petit bruit, mais c'est complet. Donc là, on voit, elle est visible. Donc, je vais la regarder. Bonsoir à tous. Je voulais vous parler de... Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc le plus simple c'est déjà de vous montrer, quand on filme en brut, et la partie brute, ben, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors voilà, vous avez vu qu'il y avait toute une partie dont on n'avait pas besoin. Alors premièrement, on va s'intéresser à la partie dont j'ai besoin. Donc là par exemple, cette partie-là. Voilà, donc je vais regarder avant que je sois assis. Je prends la barre avec le clic gauche et je recule jusqu'à ce que je ne me vois plus. Voilà. Donc là maintenant je vais sur outils vidéo et là j'ai fractionné. Donc je clique sur fractionner. Et là, ça me fait une petite partie qui est là, que je vais garder. Ensuite, je continue ma vidéo. Bonsoir à tous, je voulais vous parler de... Bonsoir à tous. Alors là, on voit qu'il y a une partie qui ne m'intéresse pas du tout, qui s'arrête à peu près là. Donc là, je fais fractionner cette partie-là, et je vais l'enlever. Toute la partie où je... dit n'importe quoi. Donc là, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Bonsoir à tous. Voilà, donc c'est la partie qui m'intéresse. Alors maintenant, donc j'ai cette partie-là où le siège est vide. Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Alors maintenant, ce que je veux, c'est avoir un effet entre les deux. Donc j'appuie sur, donc toujours outil vidéo, et là j'ai animation. Et là, il y a toutes sortes d'animations qui permettent, là par exemple ici, vous voyez, ça passe d'une à l'autre en faisant comme ça, en faisant comme ça. Voilà, vous voyez, plusieurs effets. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-là.
qui permet de superposer les deux images l'une à l'autre. C'est celui-là. Voilà. Et donc quand on fait ça, on a vraiment l'impression... Alors quand on fait ça, on a vraiment l'impression d'apparaître sur l'image. Regardez, je vous montrais dès le début. Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Bon, ici on voit encore qu'il y a une partie dont j'ai pas besoin. Donc je vais garder juste la partie dont j'ai besoin jusqu'à ce que ça soit mauvais. Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Voilà, donc toute la partie qui est là après ça m'intéresse pas, donc je fais outils vidéo, fractionner. Voilà, donc cette partie là est intéressante, regardez. Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc là il y a encore le qui me plaît pas. Donc là. Voilà, donc j'arrête ici, fractionner. Je coupe le bout qui vient juste après. Donc on va regarder si on est pile poil sur ce que je voulais vous dire. Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. C'est bien. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer. Quand on filme en brut. Donc là, cette partie est intéressante. Donc à partir du moment où je parle, donc là, la partie là, je vais essayer de recommencer. Et je regarde où est-ce que c'est intéressant. Donc le plus. Voilà. Je vais couper ici. Donc la partie où je tape tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc pareil, je fais fractionner. Alors voilà, cette partie. Ça, ça ne m'intéresse pas. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer. Alors je vais supprimer la partie où je tape. Parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc celle-là, je vais la supprimer. Outil vidéo, fractionner. Et ensuite, bon, je vais vous montrer la partie là. Regardez juste cette partie-là, donc. Ça ne sert à rien. Donc je vais là, je vais dessus et je fais supprimer. Et donc maintenant, on arrive à ça. Pour faire des vidéos. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer... Quand on filme en brut. Voilà, donc maintenant je vais refaire l'animation que je mets entre les deux vidéos pour vous montrer comment maintenant ça va se bien superposer. Regardez, donc j'arrive ici. Pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer quand on filme en brut. Et la partie brute, bah, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors pareil ici, la partie où je me lève, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais m'arrêter juste à la fin de la phrase. Je regarde. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Voilà, donc là, j'ai terminé la phrase. Je fais outil vidéo. Fractionner. Et là maintenant, je vais prendre la partie où j'ai le siège tout seul, encore une fois. Je m'enlève. Voilà, là je suis complètement enlevé. Je fais fractionner. Je supprime la partie là et je récupère le siège tout seul. Bon, je suis pas obligé de tout garder, hein, je fais fractionner, je supprime le bout là. Hop, et maintenant je vais rattacher les deux avec mon effet. Donc je fais animation, je fais ça, hop, et maintenant on va écouter la vidéo dans son intégralité, telle qu'elle est avant le montage. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer quand on filme en brut. Et la partie brute, ben, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Alors maintenant, je veux rajouter mon générique, hein, l'intro et l'outro. Donc je vais faire ajouter des vidéos et des photos. Et là, je vais chercher dans quel fichier il se trouve. Hein. En l'occurrence, il est dans Bureau, dans Film en attente YouTube. Là, j'ai mon intro ici, donc je clique dessus. Ça me le met en bas, générique Mad Miask, et je fais Ouvrir. Et en ce moment-là, il apparaît. Il n'est pas au bon endroit. Je clique gauche et je le mets au bon endroit. Voilà. Ensuite, mon outro. Alors, je vais la chercher, toujours pareil. Ajouter des vidéos et des photos. Et là, je vais chercher mon outro qui est tout en bas.
Voilà, je clique dessus, gauche, Automate Mask, et je fais sur ouvrir. Et là, je la mets. Et là, le premier fichier, pareil, comme tout à l'heure, animation, je mets ça, tac. Et pareil pour l'outro, je mets animation, tac. Donc là, mon intro, et on voit bien qu'à la fin de l'intro, on arrive directement sur la vidéo. Donc à la fin de l'intro, voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter de la musique. Donc là, je regarde la durée de ma vidéo. Elle fait 55 secondes, donc un peu moins d'une minute. Donc je vais aller directement sur Internet. Je vais aller chercher de la bibliothèque audio de YouTube. Alors la bibliothèque audio, le lien est ici. Je vais vous le mettre sur la vidéo, rassurez-vous. Donc ici, vous avez une bibliothèque de musique gratuite qu'on peut partager. Alors, elles sont soit gratuites, soit il faut mettre juste le nom de ce qui l'a fait dessus en lien sur votre vidéo. Donc là, je vais chercher. Donc là, ici, on peut chercher le genre. Si on veut des musiques de Noël, c'est vacances. On peut choisir rock, reggae, plein de choses. Ensuite, la durée. Donc la durée, là, pour moi, c'est une minute. Donc je vais chercher entre 30 secondes et une minute. Voilà. Et là, ça va me mettre toutes les musiques. Voilà, donc là, je vais chercher dans Noël. Donc je mets vacances. Il va me chercher toutes les musiques. Voilà, donc c'est là, Noël. Alors je vais dans ajouter de la musique. Là, je vais en mettre dans mon fichier et je cherche le fichier qui s'appelle Noël. Voilà, je l'ouvre. Voilà, et maintenant il arrive sur ma vidéo. Alors vous vous rendez compte que la musique est beaucoup trop forte par rapport au moment où je parle, donc je vais dans outils audio. À ce moment-là, je vais dans volume de la musique et je vais baisser. Là, je peux baisser, je vais le baisser à peu près, je mets juste un quart. Là, vous allez écouter ce que ça donne. Donc, on va faire au moment où je parle, voilà. Bonsoir à tous. Je vais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc là, c'est tout à fait parfait, c'est le bon volume. Et on va regarder vers la fin maintenant, comment ça se termine. Et là, impeccable, ça termine juste au bout de la vidéo. Donc là, on a la vidéo qui est complètement complète. Donc je vais vous la visionner. Bonsoir à tous. Je vais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer quand on filme en brut. Et la partie brut, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'uploader sur YouTube. À vous de travailler maintenant. Bonsoir à tous. Je voulais ce soir vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment faire des vidéos. Donc le plus simple, c'est déjà de vous montrer quand on filme en brut. Et la partie brute, il y a des choses qu'il faut enlever. Donc je vais vous montrer comment faire ça.